la grossesse sur le lymphœdème n'a à ce jour pas, semble-t-il, d'impact sur le volume. Bien sûr, il faut considérer que pendant la grossesse, il faut continuer le traitement du lymphœdème, à savoir le port de compression élastique et les bandages élastiques, mais bien sûr, il est clair que l'enfilage des compressions peut être plus difficile compte tenu du volume abdominal, et donc parfois, il faut demander une aide pour pouvoir enfiler les bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la poursuite du traitement du lymphœdème est indispensable pendant la grossesse et éventuellement la relation de bandage élastique, tout en essayant également de ne pas prendre trop de poids pendant la grossesse, car on sait que une prise de poids importante va augmenter la partie adipeuse dans le lymphœdème et donc peut majorer le lymphœdème. Donc deux conseils en résumé, la poursuite du traitement du lymphœdème pendant la grossesse et la prise de poids raisonnable, c'est-à-dire probablement entre 10 et 12 kilos au maximum, pour éviter d'avoir des kilos en plus à perdre après la grossesse qui pourraient rester et aggraver le lymphœdème au moins partiellement.